Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et que tu fais les choses bien. Là, aujourd'hui, c'est chaud. Parce que je t'explique. Il est actuellement 14h35. Ok? Et je dois aller à la salle dans 1 heure et demie. Et j'ai pas de vidéo prête à poster. Donc, logiquement, cette vidéo, je dois la poster ce soir, à l'heure où tu la regardes. Parce que, comme j'ai dit au mois de février, je voulais faire une vidéo par jour. Et ça me tient à cœur et ça me ferait chier de pas arriver au bout. Mais là, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que je sorte cette vidéo. Pourquoi? Il y a une machine derrière, il y a du bruit dans le couloir, il y en a qui courent autour de moi. Ça va être compliqué. Je vais clairement te dire comment c'est commencé la journée. Je me suis réveillé à 9h, tout s'est bien passé à 9h. Je suis parti au barbeur, tu vois, parce que là, on a fait les choses bien, on a fait une barbe lisse, donc il faut faire plein de vidéos pour rentabiliser la barbe et plein de photos. Donc, j'ai pris mon appareil photo, j'ai fait quelques photos. Tu vois, j'ai fait des photos en mode vidéaste, tu vois. J'ai pris mon appareil, je l'ai full équipé, et j'ai fait des photos avec, en mode je suis un caméraman, tu vois. Histoire de montrer aux clients d'Instagram que, voilà, mon compte, c'est un compte muscu, mais c'est aussi un compte vidéo. Si tu as besoin de vidéos, tu peux faire appel à moi. Ça, c'était la première partie. Mon barbeur avait besoin de vidéos, donc on a discuté un peu, ça m'a fait perdre un peu de temps, mais voilà, il avait besoin de vidéos. Mais je savais des gens qui voulaient des vidéos, mais tu vois, il veut négocier. Tu vois, avec moi, on négocie difficilement, malheureusement. Mais bon, on a parlé un peu, on a essayé de trouver un terrain d'entente, on va voir ce qu'on peut faire. Ensuite, j'ai reçu un appel d'une entreprise qui veut une vidéo. Du coup, on reste un peu longtemps au téléphone parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent et ils savent ce que je sais faire, mais je sais pas, c'est ambigu. De toute façon, avec les entreprises, c'est tout le temps ambigu. Ils veulent une vidéo, mais ils ne savent pas, mais ils veulent une vidéo quand même, tu vois. Donc ça, on a pris du temps. Et plus on parle au téléphone, plus je me disais, oh là là, ça va être dur de poster la vidéo. Juste après ça, le frérot, il m'appelle, il me dit, ouais, mec, aujourd'hui, c'est en jambes à la salle. Et je me fais, oh là là, c'est en jambes. Déjà, ça va faire mal, mais en plus de ça, il faut que je te filme la séance jambes avec le frérot. Tu vois, je t'ai tout filmé, mais pas les jambes. Parce que l'autre fois, on avait filmé, mais j'avais un petit problème. Ok? Mais là, il faut que je filme cette séance. Donc, je lui ai dit, ok, tiens-toi prêt, moi, je mange bien et on va faire notre séance. Donc, voilà, j'ai préparé le matos en amont. De toute façon, la caméra, elle est déjà prête. C'est juste mes batteries, notamment une qui charge encore. D'accord? Je sais pas si tu as la petite lumière verte, mais elle charge encore. Donc, une fois que c'est plein, j'en ai trois des batteries. Donc, au moins, je serai tranquille. Et tout ça, c'était là, là. C'était de 9h à 14h. Incroyable. Après, tu vas me dire, ouais, Dams, pourquoi t'as pas fait une vidéo hier? Pourquoi tu l'as pas fait hier? Et hier, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, j'avais deux tournages hier, d'accord? Pour la même personne qui voulait deux vidéos. Donc, j'ai fait ces deux vidéos. Je suis rentré, j'ai fait ces deux montages. J'étais content, c'était plutôt rapide. Et juste après ça, je reçois un appel. Tu te rappelles la vidéo que j'ai faite sur les woods, tu vois, en CrossFit? J'ai filmé trois personnes en wood. Ben figure-toi que dans ces trois personnes, il y a deux personnes qui veulent des versions de eux-mêmes dans la vidéo. Donc ils m'ont appelé, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire ci, ça? J'aurais dit les prix. Ils ont dit, ok. Donc j'ai fait la vidéo. Et ouais, ça, tu vois, j'ai fini vers les 2-3 heures du matin. Donc j'étais un peu KO. Mais il y avait un truc que je voulais faire parce qu'il me restait un peu de force, pas pour parler, mais pour faire une vidéo. Pardon. J'ai testé mon objectif macro, tu vois, celui-là. Je sais pas si tu vois bien. En fait, les objectifs macro, c'est pour voir de très très près. Ou pour faire de la vidéo de présentation de produits et tout. Et j'ai filmé cet appareil photo-là. Juste l'appareil photo, pas tout l'ensemble. Et le résultat est assez bien. D'ailleurs, je te montre. Tu vois, franchement, c'est pas mal. Moi, d'ailleurs, ça m'entraîne à faire de la présentation de projets et tout. Et quand j'aurai des placements de produits, je vais faire des trucs de fou. Même pour la merde, je te jure. Envoyez-moi un sextoy, je fais un truc de ouf. Je fais un truc, je mets deux lumières, je fais du sale. Clairement. Je te jure, un jour, je vais le faire. On rigole, là, on est bien, mais je vais le faire. Envoyez-moi un objet bête,
je vais le présenter comme si c'était un truc de fou. Mon but, ça sera ça. Prendre des objets nuls et faire des films avec. Mais ouais, voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo hier. Bah, de toute façon, toutes ces péripéties font qu'aujourd'hui, je fais une vidéo. Ouais, c'est pas un vlog, d'accord? C'est une vidéo ou racontage de vie, clairement. Mais vraiment, clairement. Mais là, je te jure, à partir de demain, là, faut que je m'organise. Ou ce soir, voir si je peux faire un truc. Mais je vais faire une sans jambes, ça le problème, je vais faire les jambes. Quand je fais les jambes, après j'ai plus d'énergie. En fait, quand je fais les jambes, je m'assois, je joue à la play et c'est fini. Je ne peux plus rien entendre. Et je mange un petit truc bien et voilà. Mais en vrai, là on est le combien? Attends, je vois, on est le combien? On est le 23 février, tu vois? Le 28, c'est la fin. Donc jusqu'au 28, il faut que je sorte des vidéos. D'accord? Pour préparer le mois de mars et faire des programmes énervés pour mars. Et aussi, parce que j'ai oublié de le dire, je devais faire un programme spécial pompe freestyle. D'accord? Finalement, je vais me déplacer en mars. Parce que je voulais faire un truc bien par rapport à ça. Pompe freestyle, mars. Ok? Donc, ceux qui l'attendent, soyez patients, ça va arriver. Dans tous les cas, vous avez vu sur ma chaîne, je suis productif, mais ça va arriver. Ah oui, j'ai oublié de faire une petite dédicace à Issar Mia. J'espère que j'écorche pas le pseudo qui a dit « Wesh, faites-le percer, bande de rats. » Je suis mort. Ah, t'es un bon, t'es un bon. T'es vraiment un bon. Mais le problème, c'est que ces commentaires-là, YouTube, il l'accepte pas. Moi, tu vois, je l'accepte, ce commentaire, mais YouTube, il m'autorise pas à le mettre en dessous de la vidéo. Sinon, je l'aurais épinglé même. Mais franchement, merci beaucoup, ça fait plaisir. On fait les choses bien, on va poster, on va continuer à poster. Les abonnés, ils montent un tout petit peu. Mais on va continuer à faire les choses bien, d'accord? On n'a pas le choix cette année. Il faut que je produise. Je vais produire et on arrive à 10K au moins à la fin. C'est l'objectif quand même. D'ailleurs, si tu veux que je te montre ce que je fais en vidéo, les vidéos de mes clients, ou si tu veux que je te montre la vidéo du client du jour ou un peu ce que je fais en vidéo, dis-le moi. D'accord? Comme ça, je te montre. Comme ça, je te parle, je te montre un petit extrait de 1 minute ou alors de 20-30 secondes. Et voilà, bon, ça peut me faire chier parce que c'est la musique qui n'est pas copyright, tu vois. Ça peut me faire chier, mais si tu veux que je le fasse dans quelques vidéos, si tu veux que je fasse une vidéo où je te montre un peu mon travail que je fais sur Instagram et tu veux que j'en parle, tu me dis, d'accord? Parce que je suis un vidéaste aussi, ok? Et le but, c'est de te montrer des films sur la chaîne. Bon, des films en rapport avec la muscu, bien évidemment. Où je serai aussi acteur, mais aussi des choses où je suis le réalisateur. C'est important. Ici, on est là pour évoluer, ok? Donc, dis-moi ça dans les commentaires. Eh, mais clairement, j'essaie de m'organiser, trouver des thèmes précis, parce que sinon, il n'y aura que des vidéos comme ça jusqu'au 28, hein, que des « je raconte ma journée », parce que j'ai pas pu m'organiser. Ah ouais, clairement, il n'y aura que des trucs comme ça, si, si les temps sont durs. Même là, normalement, j'avais du temps libre, regarde ce qui s'est passé. Rendez-vous au barbeur, barbeur avec une vidéo, appel pour une vidéo, moi qui vais faire le bois avec des photos parce que ma barbe elle est bien. C'est incroyable. Ça, c'est trop de trucs à gérer tout ça. Mais une vidéo par jour, on les fera. En février, c'est sûr. Il faut que je m'y tienne, c'est important. Moi, je vais te laisser ici. J'espère que tu as kiffé cette vidéo quand même, un racontage de vie. D'accord? Parce que c'est très passionnant. Ok? Si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.